Allez, salut, salut à vous. Voilà, c'est toujours moi, le Samo Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, je voulais juste vous dire votre bienvenue. Voilà. Et sachez que dans ces trois temps, je serai un peu libre pour vous faire des vidéos. Donc, vous devez être vraiment prêt à pouvoir les postuler. Parce que c'est pour ce but-là que nous faisons toutes ces vidéos-là. Nous faisons tous ces efforts pour vous, pour que vous puissiez au moins postuler. Donc, si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne YouTube, essayez d'abord de vous abonner, essayez de liker la vidéo, voilà, avant de pouvoir la visualiser, parce que ici je donne des informations sur les bourses, voilà, et puis j'aide aussi à les postuler. Donc ça veut dire que ceux, par exemple comme ça, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment procéder, voilà, vous pouvez m'écrire inbox. Mon numéro est toujours en description, voilà, et de là-bas vous pouvez me contacter via WhatsApp. Ok, donc ici nous allons commencer. Je rappelle encore tous ceux qui ne sont pas dans le groupe et qui ont des questions, vous pouvez les laisser ici sur YouTube. Je vais essayer de les répondre directement. Voilà. Ok, donc ici je vous présente la bourse du Mexico. Voilà, donc il y a le ministère des Affaires étrangères et le pays du Mexique qui octroie des bourses d'études aux étudiants étrangers. Et il y a plusieurs pays qui participent à cette bourse-là. Voilà. Et cette bourse-là, ça concerne la licence, le master et le doctorat. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que ici, par exemple, comme ça, quand vous voyez le site, ce site-là est en espagnol. Mais j'ai traduit ce site-là, comme d'habitude, en français, pour que tout le monde puisse avoir accès. Mais si vous voulez travailler et que votre site est toujours en espagnol, vous devez aller dans les paramètres de Google et puis essayer de changer. Maintenant, si ça ne passe pas, vous devez suivre de la même manière que moi ici. Voilà, pour les informations, je vais vous donner ces informations-là. Maintenant, comment postuler? Vous allez suivre en même temps que moi et vous allez pouvoir la postuler rapidement. Donc, comme je disais là, c'est une bourse du Mexique. Voilà, donc ceux qui veulent postuler, voilà, vous pouvez me faire signe et puis on va essayer de s'entendre pour pouvoir vous aider à les postuler. Donc, comme vous voyez là, ici, le ministère des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de l'agence mexicaine, voilà, invite les étudiants, les étrangers intéressés à étudier au Mexique au niveau de la spécialité de maîtrise de doctorat et tout ça. Programme de mobilité des étudiants du premier cycle et du troisième cycle. Donc, ça veut dire que ça concerne la licence, le master et le doctorat. Vous comprenez? Voilà, donc, ceux qui veulent postuler, vous voyez là. L'appel est proposé à plus de 180 pays. Donc, on va voir ces pays-là qui participent. De toutes les façons, si c'est 180 pays, ça veut dire que la plupart des pays africains peuvent aussi participer. Voilà, donc. On va essayer d'aller un peu plus vite un instant. Ok, je crois que c'est chargé maintenant, ça charge. Donc, on va continuer. Alors, ici, on va aller voir rapidement comment est-ce que vous devez postuler et puis quels sont les dossiers que vous devez avoir pour pouvoir les postuler. Donc, grâce à l'octroi de la bourse Excellence par le gouvernement mexicain pour les étudiants étrangers, le Mexique renforce son rôle d'acteur de responsabilité. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, ici, vous voyez là, voici les éléments qui sont là, les éléments que vous devez utiliser pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, ici, on vous montre les programmes qui sont disponibles. Donc, vous devez vérifier si votre programme s'y trouve. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a tellement de programmes pour ceux qui font même la médecine et tout ça. Même ceux qui font un doctorat en médecine et tout. Il y a tellement de programmes. Donc, si vous voyez là, ici, c'est doctorat. Vous voyez? Voilà, ici, c'est doctorat. Et puis, quand on vérifie ici c'est master, voilà, au moins vous pouvez voir, voici sociologie, vous pouvez voir tout ce qui est là. Donc si vous n'arrivez pas à mieux voir, vous pouvez les traduire, voilà, vous pouvez trouver ce qui est là. Si je sélectionne là, vous voyez un peu, si je sélectionne là, je vais essayer de copier comme ça, je copie ici et je viens sur Google Translate, je peux voir ici pour pouvoir essayer de le coller ici. Vous voyez, je peux coller et puis ça traduit directement en français. Donc, pour ceux qui ne vont pas pouvoir traduire directement là-bas, vous pouvez traduire ici. Master en tant que science autonome
en mathématiques, donc vous voyez un peu. Voilà, donc on va aller directement, on va repartir sur, voilà. Donc voici les facultés qui sont disponibles, toutes ces facultés là, vous vérifiez si vous avez votre faculté dans ces facultés. Voilà, et puis vous allez essayer de choisir, puisqu'il y a l'université et le niveau, l'université, et puis il y a la faculté. Voilà, donc vous devez, je vous rappelle encore que la date limite c'est le 24 juillet, donc vous avez au moins un mois, moins d'un mois, mais c'est, je crois que c'est suffisant pour pouvoir faire tout cela. Donc ça c'est pour le programme d'admissibilité. Maintenant ici les établissements éligibles, ok, transport aérien international, ok, voyons voir ce qu'ils demandent par le transport aérien. Donc ici on a l'Afrique, ici on a quoi, transport aérien international. Donc ici pour ceux de l'Amérique du Nord, il y a Canada province, ceux de l'Amérique latine, ok, ici il y a le Burkina, il y a le Rwanda, ok, bon ça ne nous inquiète pas, voilà, ça c'est pas un problème. Maintenant on va essayer de voir comme ça les pays qui sont éligibles, les pays éligibles, voilà, pour ne pas aller vite en besogne. Donc les pays éligibles, on va voir un instant de cette publicité, les pays éligibles, donc il y a plusieurs pays, donc vous vérifiez si votre pays s'y trouve. Voilà, donc je crois qu'en Afrique, il y a Burkina Faso, il y a Côte d'Ivoire qui est là, il y a Djibouti, Gambie, Ghana. Bon, je crois que la plupart des pays, voilà, la plupart des pays africains s'y trouvent. Donc ça, ce n'est plus un problème. Ok, donc on repart à notre bourse. Donc, arrivé là, ça, c'est le formulaire. Donc, si je clique là pour voir le formulaire, ici, vous devez remplir ce formulaire là. Je vais faire une vidéo sur ce formulaire, je vais essayer de remplir, comme ça vous allez comprendre comment ça se passe. Comme je vous l'ai dit, si vous ne comprenez pas bon, ici on de toute façon ici on ne peut pas traduire, donc vous allez sélectionner tous ces éléments qui sont là. Si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas comme moi bien sûr, vous allez prendre tous ces éléments qui sont là et puis vous allez venir sur Google pour venir les traduire ici afin de pouvoir les remplir, comprenez. Voilà, donc ici, si je mets, n'oubliez pas, vous devez remplir tout en espagnol. Voilà, donc si vous collez là, vous voyez, tout revient là. Donc, remplir sur ordinateur, répondre en lettre Arial avec 12 points. Donc, c'est très important. Donc, utiliser les lettres majuscules. S'il y a une sélection qui s'applique pas à votre situation, indiquez là. Si ce formulaire est modifié, la demande sera annulée automatiquement. Donc vous ne devez pas modifier, vous devez juste remplir. Donc nom, date de naissance et tout ça. Donc ceux qui n'arrivent pas à voir en espagnol, voilà, vous pouvez faire comme moi, je vous ai montré comment ça se passe. Voilà, vous pouvez faire comme ça et puis vous allez soumettre votre candidature. Voilà, après cela ici la lettre, il y a les formulaires. Une fois que vous finissez de remplir, il y a la lettre de retour au pays. Donc si je prends la lettre de retour au pays, je rappelle encore, c'est pour la licence, le master et le doctorat. Voilà, donc la lettre de retour au pays, ça, si on comprend pas, on va recopier. N'oubliez pas, la date limite, c'est le 24 juillet. Voilà, donc je copie ici et puis je viens là. Vous pouvez faire comme moi, ça ne gêne pas. Voilà, vous voyez ici, je écris votre nom complet identifié par le numéro du passeport. Donc vous écrivez là, ou numéro d'identification avec adresse 1. Donc vous mettez aussi la ville. Voilà, je suis actuellement ici, je vais faire monter un peu ce qui est là pour que ça donne bien une bonne, ça donne une bonne signification ici. Donc je fais monter un peu ici, voilà, et puis je sais pas, ok, donc ça donne, je travaille actuellement comme vous mettez votre poste là, ou bien si vous êtes étudiant, vous mettez étudiant. Je vous promets de retourner dans mon pays d'origine, indiquer le pays, votre pays d'origine, une fois le programme d'études terminé. Donc ici aussi je vais monter un peu pour que ça puisse bien écrit, ça puisse bien traduire, ok. Donc et je sais pas, donc ici je promets de retourner dans mon pays d'origine une fois terminé. Il y a plusieurs pays qui écrivent ça, vous comprenez, une fois le programme terminé. Et ici
Une fois terminé le programme d'études pour lequel je postule dans le cadre de l'appel de la bourse d'excellence pour étudiants étrangers. Donc, ça, lorsque vous signez, ça veut dire que lorsque la bourse est terminée, lorsque vous faites vos études, vous allez retourner dans votre pays. Voilà, donc ça, c'est un contrat que vous allez signer avec eux. Donc, quand vous allez finir, vous allez rentrer dans votre pays tranquillement et sans problème. Donc, à partir de là, n'oubliez pas ce formulaire-là. Je vais faire une vidéo pour essayer de remplir. Mais ceux qui peuvent déjà remplir, voilà, vous pouvez continuer déjà à le faire. Ce n'est pas un problème. Ok. Après cela, il y a la lettre de retour où qu'on a fini. On a la lettre d'acceptation des thèmes de l'appel. Voilà, vous allez accepter tous ces éléments-là. Il y a la lettre de vérité. Il y a la lettre. Bon, je vais m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo tout à l'heure pour continuer, pour pouvoir finir, pour ne pas que la vidéo prenne assez de temps. Ok, donc les gars, c'était moi le Sam Hospital et puis à tout à l'heure.